Hello, hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Coinche Passion. Je suis contente de vous retrouver après plusieurs mois d'absence. Je me suis focalisée sur mes projets puis sur ma reconversion professionnelle. Donc c'est pour ça que j'étais pas là ces derniers mois. Il me semble même que la dernière vidéo date du mois d'avril. Donc j'avais laissé tomber le challenge à la 25e partie. Je ne sais pas si c'est encore intéressant que je le poursuive, mais en tout cas, je vais reprendre les vidéos de Coinche, ça c'est sûr. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'abonnés qui avaient rejoint la chaîne ces dernières semaines. Donc merci à vous et bienvenue. J'espère que cette chaîne pourra vous aider à améliorer votre jeu, à apprendre de nouvelles stratégies, à mieux comprendre l'intérêt de jouer à la coinche et voilà et puis bah sans plus tarder je vais lancer une partie et voilà on va se remettre dans le bain tout doucement. J'espère que vous m'entendez bien également parce que j'ai pas de micro donc vous me direz si la qualité du son est correcte. Je vais très prochainement poster une vidéo aussi d'une interview que j'ai faite au mois de mars il me semble. J'ai enfin reçu le montage, donc avec plaisir, je vous la posterai. Et puis, bah, ça vous permettra de mieux me connaître et de découvrir l'objectif de cette chaîne. Allez, on est parti. On a la partance avec le partenaire qui ouvre à 80 carreaux. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai pas grand-chose à lui donner. Je pourrais essayer de changer la couleur à cœur. Mais je vais passer de toute façon à trèfle, j'ai la belote et puis j'ai aussi un as à côté. Alors, mon partenaire monte 110 sans la belote. Là, je ne vais pas dire 130, hein, ça va être un peu compliqué, je pense. Alors, il part avec son as, son 10, il coupe, donc je surcoupe. Je vais lancer mon as de pique en espérant que le 10 tombe. Il ne tombe pas. Donc je vais essayer de faire couper mon partenaire. Et il ne coupe pas. Bon, c'est pas grave. Là, c'est dommage parce qu'il nous manque pas grand-chose. On a 42 points, ils sont à 120. Et j'aurais aimé qu'ils mettent un peu plus de. Non, ouais. C'est dommage. Il me fait couper, mais je sais plus avec quelle carte il part. Bon, c'est. Tant pis. À un point près, ils auraient pu être dedans. Alors, ici, seconde parole. J'ai deux valets, un 9 troisième. Lui, il parle à trèfle, mais il parle à 80. Donc, admettons qu'il manque le 9. On va tenter un 90 TA. Bon, malheureusement, son partenaire lui répond à trèfle, donc ouais. Là, mon partenaire, il me répond à TA, mais je ne sais pas trop ce qu'il a. C'est dommage. Ok, donc déjà, il avait une belote. Ah, il avait le 9 de pique. Il avait le valet de cœur. Ouais, c'est dommage. Donc là, on va faire couper. Et on finit. C'est beau ça. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas coinché. Surtout qu'il avait la belote dans les mains, donc il savait qu'il n'avait pas la belote. C'est pas grave. Alors ici j'ai la partance, mais j'ai valet sec, belote à trèfle, as troisième à carreau. J'ai donc pas grand-chose. Je tente pas le diable. On passe, on laisse faire le jeu tranquillement. Et lui dit 80 TA. Bon ben. On passe, hein. De toute façon, les amis, pas grand-chose à faire.
Je vais partir trèfle. Je vais essayer de garder mon as troisième à carreau. Allez, il doit avoir le 9 aussi. Ah, là, il me donne ça. Donc, on va partir avec l'as. Voilà. Par pique, pas grand-chose. Ben oui, puisque ben là, lui, il est reparti pique, mais bon, il a bien vu qu'il m'avait fait sortir quand même. Avec le valet. Et c'est bien joué. Là, il passe à côté de son 80 TA, c'est dommage. Ah, je voulais vous dire aussi, j'ai changé de pseudo, mais c'est juste parce que je suis sur un autre compte, donc vous inquiétez pas. J'arrive pas à récupérer le compte sur lequel je m'étais connectée. Bah, au début, là, quand je faisais le challenge, là, je ne sais pas. Alors, on est sur un capoté en espérant qu'il ne fasse pas son capot. Ce serait ballot. Aïe, 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 j'aime pas ça. J'ai peur de me faire coincer. À trèfle, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trèfles qui sont tombés là. Hein, donc. Espérant qu'il ait le valet second à cœur. Et non. Il a valet de cœur. Et ouais. Eh ben, c'est bien joué à eux, ça. C'est très beau. Il faut pas hésiter d'ailleurs, hein, quand vous voyez que vous avez les points en main, vous avez les cartes. C'est ce qu'il faut faire. Alors ici, on est sur un jeu tricolore. Je suis majoritaire à trèfle. Mon partenaire parle 80 piques, donc j'aurai le choix de répondre 90 TA. Mais je vais dire 110 trèfles. Alors, bien que je ne sois pas maître à trèfle, puisque normalement en 110, je devrais être maître à, c'est-à-dire valet 9, as-10 au moins. Lui, il dit 120 TA, donc on va tenter un capot TA. Ah mince, j'ai mis 160 au lieu de capot. Il a bien fait. Ouais, c'est juste, j'ai mal cliqué. Alors par contre, ça ne me plaît pas trop qu'il parte déjà pique. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Alors, il y a déjà un trèfle, deux trèfles qui sont sortis. Deux autres. Voilà, super. Il avait au moins un trèfle dans les mains, c'est top. Et voilà, je pense que la partie est finie puisqu'on fait notre capot annoncé. On gagne 500 points. Et voilà les amis, un petit retour en beauté. Bon, je vous avoue quand même que là, ça fait, je sais pas. Bon, quelques semaines que j'ai repris à jouer hein, parce que j'avais vraiment laissé de côté le jeu là ces derniers mois. J'étais vraiment focalisée sur mes projets. Donc voilà. Bah, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes les bienvenus. Et puis bah, j'espère faire grandir la communauté de plus en plus. Et bah voilà, laissez-moi un petit j'aime, un petit commentaire aussi, si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et merci pour vos mails aussi que j'ai reçus, ça m'a touché, ça m'a fait vraiment plaisir, j'ai pas forcément répondu, mais je vous ai lu. Voilà, sachez-le. Allez, je vous retrouve bientôt pour une prochaine partie, les amis, et prenez soin de vous. D'ici là, à bientôt, ciao ciao.